Et salut, c'est Silus, bienvenue dans mon labo. Ici, on parle de play to earn, des jeux vidéo qui nous font gagner de l'argent. Je me suis lancé à fond dans cette expérience pour voir comment nous pouvons en vivre. Alors, je suis pas du tout conseiller financier, je suis juste un mec normal qui fait une expérience pour changer sa vie et qui a décidé de partager son aventure. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter de se faire scammer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scams en ce moment. Juste avant, je voulais vous dire, je publie moins de vidéos, tout simplement parce que bah, je travaille déjà sur l'amélioration de la chaîne. Comme vous avez pu le voir, il y a un nouveau logo qui est juste là, ici. Voilà, ça c'est le nouveau logo de la chaîne, qui a été fait par Lenami, c'est une fille de la communauté. Et en plus de ça, je travaille beaucoup avec l'équipe pour trouver des projets solides, avec des critères bien précis. Et c'est justement bah, cela qu'on va énoncer dans cette vidéo, histoire d'avoir des bons projets. Déjà, en général, les gens, quand ils vont voir des projets, ils regardent le white paper pour connaître l'univers du jeu, le gameplay, et voilà. C'est à peu près tout ce qu'ils font, et encore, il n'y a pas tout le monde qui va voir le white paper. Et après, une fois qu'ils ont lu le white paper, ils disent, waouh, le projet, il a l'air grave bien, et ils s'arrêtent là, et ils investissent ou non. Ils vont pas plus loin dans la démarche. Et c'est pas suffisant pour éviter les scams. Je parle même pas des gens qui lisent pas le white paper et qui juste suivent leur streamer ou leur youtubeur préféré en se disant, waouh, il a mint là-dedans, je vais mint aussi. C'est ridicule. C'est complètement débile de faire ça. Et on a vu le cas avec bah, Mercenary. On a failli voir le cas avec CyberGPU. Heureusement, le projet s'est fait défoncer juste avant. Voilà, est-ce que Zien est le gentil, est-ce que c'est le méchant? Je sais pas et je m'en fous. Moi, j'ai jamais cru dans le projet, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, on a le cas avec Road to Glory, où je vois tous les mecs dire « Waouh, c'est un projet français », mais en fait, et moi, il répond pas du tout aux critères que j'attends d'un projet. Et déjà, le premier critère que je regarde, c'est l'équipe. Tous les gros projets qui tiennent, il y a une équipe. Voilà, il faut arrêter avec oui, l'anonymat, c'est l'esprit DeFi. Non, 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 non. Ça, c'est de la merde, les gars. C'est nul. Est-ce que tu irais. Est-ce que, imagine, on se connaît pas, je te croise dans la rue, je te dis, ouais, mec, j'ai un super projet, donne-moi 200 balles, et t'inquiète, je te rends le double. Soit tu vas me frapper, soit tu vas fuir, mais en tout cas, tu vas pas me donner les 200 balles. Quand t'as un mec qui t'appelle et qui dit, oui, ça vous dit de diviser votre facture par deux, d'électricité, le mec, tu le connais pas. Tu l'envoies chier, tu raccroches au mieux. Moi, j'avoue que je joue avec eux. Enfin, j'aime bien les troller et tout ça. Mais voilà, tu donnes pas ton argent aux gens que tu connais pas. Et ben là, c'est pareil. Je veux dire, il faut voir une équipe. J'ai pris quelques exemples de où trouver les équipes. Et sur les gros projets, à chaque fois, on trouve des équipes. Donc pour moi, les équipes, déjà, tu dois les voir sur leur site avec des photos et des réseaux sociaux. Tu dois pas galérer à les trouver. Tu regardes Pegaxi. T'as une équipe, voilà, eux ils t'ont tout mis. J'ai pris cet exemple parce que Pegaxi c'est un projet qui tient bien et en plus pour le coup, niveau équipe, ils ont tout. Eux ils mettent tout le monde, voilà, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont mis tout le monde. Tu regardes Axie Infinity, sur leur site tu trouves pas l'équipe mais tu l'as bien dans le white paper et avec des réseaux sociaux. Tu ne galères pas à savoir qui est l'équipe. J'ai pris l'exemple de Sorare où tu trouves pas du tout sur le site qui est l'équipe. Par contre, tu demandes à Google Sorare PDG, t'inquiète pas, il te sort Nicolas Julia. Donc t'as son LinkedIn qui est là, il a un article sur Forbes, la levée de fonds est juste énorme. Enfin voilà, je veux dire, tu ne galères pas à savoir qui est derrière le projet. Parce que quand t'investis dans un jeu, t'as certes la partie jeu, mais tu vois, l'équipe fait partie du projet. Donc c'est sur eux aussi que t'investis. Donc faut que t'aies une équipe dans laquelle tu aies confiance. Où tu sais que voilà, c'est des professionnels, ils vont pas se barrer avec la caisse. Quand tu connais pas l'équipe, bah rien ne les empêche de dire, et Mercenary en est l'exemple, mais le plus total, où ils t'ont dit, bah écoute, franchement, c'est bien, on aurait pu faire un bon projet parce que ça a bien marché, mais nous, on s'en fout, on va aller boire des cocktails avec ta thune sur une plage à Bali. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'équipe, pour moi, c'est primordial. S'il n'y a pas d'équipe, j'investis pas. S'il n'y a pas de KYC, je n'investis pas. Ça va pas plus loin. Road to Glory, par exemple, moi, c'est un projet. Pour l'instant, c'est un projet français, donc j'avoue, je le suis. Je regarde ce qu'ils font. Mais il n'y a pas de KYC. Donc, tant qu'il n'y a KYC pas, je mettrai pas de thune. Voilà, ça va pas plus loin. Projet français ou pas, je m'en fous. Je préfère donner mon argent à des Viettes qui se sont KYC qu'à des Français qui KYC pas. Voilà, pour moi, la discussion là-dessus, il n'y en a même pas. C'est d'une logique la plus totale. Et petit conseil bonus, pour tester l'équipe,
Tu sais qu'une fois que tu la connais, que tu as trouvé les réseaux sociaux, que tu vois que c'est à peu près solide, tu peux aller la tester. Quand tu as lu le white paper, que tu vois à quoi ressemble le projet, n'hésite pas à aller sur Discord et leur poser des questions. Tu as le droit d'aller leur poser des questions sur Discord. S'ils répondent à tes questions que c'est plutôt bien reçu, bon bah c'est plutôt un bon signe qu'ils envoient. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à leur communauté et qu'ils sont prêts à y répondre. Si dans le cas contraire, tu vois que tes questions elles sont mal reçues, que ça les gêne, bah mets un red flag. Tu lui dis, oh là, le mec lui pose une question, il me répond à côté ou il est pas foutu de me répondre. Bon bah ça dégage, tu vois. C'est pas très grave. Après, un truc qui est important une fois que tu as vérifié l'équipe, c'est aussi d'aller voir les investisseurs. Qui y a derrière? C'est hyper important. Alors, juste pour casser un petit peu les codes, quand tu vois Yahoo Finance, tu vois finance.yahoo, c'est pas un investisseur. C'est le mec, il a payé peut-être 100 balles pour avoir un article. C'est pas un vrai investisseur. C'est voilà, quand tu vois ça en partenaire, bon bah tu le comptes pas, tu vois. Il faut bien aller voir les vrais investisseurs. Exemple, AZVenture, tu vois, eux qui investissent, ou t'as BDVenture, tu vois, et t'en as plein, hein. Tu vois, moi j'ai une liste, ouais, il y a Magnus Capital que j'aime bien aussi, voilà, eux c'est des mecs qui mettent vraiment de la thune, ils viennent investir dans des projets, et t'as la liste des projets, donc tu peux voir si tu retrouves ton projet ici, tu vois, c'est important, voilà, eux c'est des investisseurs, quand tu vois des blogs ou des sites comme ça, comme Yahoo Finance, ou il y a Investor.com, je crois, un truc dans le genre. Bon bah là tu sais que c'est juste des mecs, ils ont payé 100 balles pour mettre un article, crédibiliser entre guillemets leur projet, mais ça vaut rien. C'est nul. Ça, c'est bon, tu vois, quand tu vois, eux, c'est des mecs, ils mettent vraiment leurs billes dans des jeux, et tu vois, dans les différents jeux dans lesquels ils ont investi, ce qui est bien, c'est que quand tu vois les investisseurs, tu peux regarder dans quoi ils ont déjà investi. Si tu vois qu'ils ont investi dans des projets qui fonctionnent plutôt bien. Bon bah tu te dis qu'ils investissent pas dans n'importe quoi, tu peux peut-être les suivre, tu vois ce que je veux dire. Donc et c'est ça aussi qui fait, c'est les levées de fonds qui vont rendre le projet aussi solide. Tu vois, eux ils ont investi dans 9 des NFT, il tient, Luna Rush, il a l'air de tenir. Z Zombie World Z, bah, un petit cadeau, je suis en train de le surveiller en ce moment. Gunstar, je vais vous faire une vidéo très prochainement dessus. Voilà, c'est des, j'ai déjà mis de la thune hein, dans Gunstar, j'ai mis 100 balles. Pour l'instant, je commence voilà, doucement, tranquillement, mais j'ai déjà acheté le token. Et je vous ferai une vidéo bientôt. Mais voilà, il faut voir dans les levées de fonds, c'est hyper important. Ok les gars, donc ça, c'est vraiment la base. Une fois que vous avez fait ça, et qu'on a testé l'équipe voilà, sur le Discord, ben, on peut continuer à faire leur tour des réseaux sociaux. Bon, déjà, le Discord, vous pouvez aller checker. Hop, par exemple, voilà, je prends le Discord de GameStar que je suis en train de vérifier en ce moment, où là j'ai mis 100 balles, le projet me hype, mais je vais vous faire une vidéo bientôt. Mais en gros, à quelle fréquence, moi je regarde déjà combien déjà il y a de membres, hein, on commence par là sur le Discord, et à quelle fréquence l'équipe communique. Est-ce qu'ils communiquent bien sur l'avancée? Est-ce que ça correspond à leur roadmap, ce qu'ils sont en train de me raconter? Est-ce qu'ils ont du retard? Est-ce qu'ils sont dans les temps? Ça, c'est la base de la base. Après, je vais aller toujours checker, c'est les différents chaînes ici. Voir si ça discute, tu vois, voir si c'est actif. Parce que si t'as 100 000 mecs qui sont sur le Discord, mais que t'as pas un pécno qui parle dedans, bah tu peux te dire, bah c'est peut-être des bots, tu vois. Alors que si tu vois dans tous les chans, ça discute, qu'il y a du monde, bah ça peut-être t'indiquer qu'il n'y a pas que des bots, qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent au projet. Et on va pas se mentir, même si t'as l'équipe la plus solide du monde, si t'as les meilleurs investisseurs, si ton projet. Il a pas une petite hype qui plaît pas aux gens ou que personne s'y intéresse, bah tu vas pas aller bien loin. Donc ça me permet aussi de mesurer un petit peu l'engouement des gens, ainsi que d'aller sur le Twitter des équipes. Tu vois, c'est hyper important d'aller voir si l'équipe poste sur Twitter, si les gens y like, s'ils retweetent, s'ils commentent. Tout ça c'est alors en dehors aussi des posts airdrop. Parce qu'en effet, sur les airdrops, il y a tout le monde qui retweet, tout le monde qui like, et les mecs, ils s'intéressent même pas au projet. Ils ont vu qu'il y avait un airdrop, ils le font, quoi. Notamment, bah, quand tu vas sur CoinMarketCap, dans les free airdrops, on te demande toujours, ou en tout cas très souvent, de retweet un truc. Tu le retweet, tu fais pas gaffe, hein, voilà, tu vas comme ça. Donc, en dehors de ces posts-là, vérifiez les autres posts, savoir s'il y a du like, s'il y a de l'interaction, tout simplement. En plus de ça, sur Twitter, c'est beaucoup plus simple
pour vérifier si c'est des bots ou si c'est des vrais gens qui follow, c'est d'aller voir directement dans Social Blade. Donc là, j'ai repris par exemple le Twitter de Pegaxi. Donc c'est hyper simple. Alors juste pour ceux qui connaissent pas du tout Social Blade, hein, c'est la page d'accueil. Tu rentres le Twitter de Pegaxi officiel, tu vois. T'appuies sur recherche et ça te met là. Ok, il y a combien de followers? Donc est-ce qu'il y a des gros pics? Tu vois, est-ce que ça me fait des petits triangles isocèles ou pas? Ou est-ce que ça monte de façon logique? Tu vois, progressive, là, t'as un tableau, tu vois, qui prennent 1007, 1009, 1002, 1000. Tu vois, c'est constant. Il n'y a pas de gros pics, genre, les mecs, ils sont à deux, d'un coup, ils se retrouvent à 15 000 et derrière, plus rien. Tu vois, ça, faut faire attention à ça. Et eux, on voit bien que c'est progressif, qu'il n'y a pas de problème. Donc, on se dit, ok, c'est des vraies personnes qui rejoignent le projet au fur et à mesure. Parce qu'il y a de l'engouement, parce qu'ils génèrent de plus en plus, d'attrait. Tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi parce que l'équipe communique bien. Alors, on va pas se mentir, une équipe qui communique pas, c'est toujours compliqué. Mais allez bien checker les réseaux sociaux. Moi, je regarde tous les réseaux. Ceux de l'équipe, c'est Twitter, LinkedIn. Ceux du projet, c'est Twitter, Discord, Telegram. J'avoue que j'aime pas trop Telegram. Je crois que c'est les Asiates, ils aiment bien Telegram. Les Européens, je pense qu'on a plus de mal parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, il me dit, ah, Telegram, j'en peux plus. Moi, c'est pareil. Donc c'est vrai que je vais plus aller checker le Twitter, le Discord. Après, si t'es à l'aise avec Telegram, va voir Telegram. Ça peut être intéressant. Si tu peux poser tes questions sur Telegram, pose-les là-bas. C'est vrai que moi, je favorise le Discord, mais après, ça, c'est un choix personnel. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Une fois que t'as fait ça, va voir les tokenomics du jeu. Quelles technologies ils vont utiliser? Quels jetons? À quoi servent les jetons? Les mécaniques de burn? À quoi ils ont pensé pour burn du token? On sait qu'aujourd'hui, un jeu qui vous burn 0 token, ça va être compliqué au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution comparé au problème qu'on a déjà eu avant? Même des fois, t'as des white papers qui sont grave bien faits où ils disent, bah voilà, dans tel projet, on a vu tel problème. Enfin, ils citent pas les projets, mais ils disent, voilà, dans les différents projets, il y a souvent ce problème-là. Nous, on apporte cette solution. Les gars, ils ont réfléchi au long terme. Regardez toujours s'ils réfléchissent long terme. Comme la roadmap. Regardez les roadmaps. Quand est-ce qu'elles vont s'arrêter? Si tu vois que la roadmap, t'es février, que le jeu sort février, la roadmap s'arrête en mars, bon, il y a peut-être un souci, tu vois, il faut qu'ils aillent plus loin. Regarde s'ils visent bien le long terme. Mais tout ça, c'est hyper important et ça pourrait faire même le sujet d'une vidéo, en fait. Regarde bien aussi dans la tokenomics, souvent c'est que tu l'as dans le white paper, quelle part est attribuée à l'équipe, quelle part est attribuée au play to earn, quelle part est attribuée aux investisseurs, l'équipe et les investisseurs, combien de temps leur part est verrouillée, est-ce que c'est sur du 6 mois, du 12 mois, est-ce qu'il n'y a aucun verrou, tu vois, est-ce qu'ils peuvent retirer instantanément, tout ça c'est hyper important. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait le tour d'un projet, qu'on va voir si le projet il est viable. C'est pas juste en regardant un white paper tout simple, c'est en allant voir la team, en allant voir les investisseurs, prenant le temps d'aller voir les réseaux sociaux. Et une fois que vous avez fait tout ça et que vous mettez votre thune dedans, continuez de suivre le Discord. Moi, tous les matins, je fais un tour sur tous les Discords. Des projets que je suis, hein, vous pouvez les voir là, hein. Il y en a plusieurs, et tous les matins, je vais regarder les annonces. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Qu'est-ce que... Voilà. Et ça, c'est hyper important. Et ça, je le fais depuis que je me suis fait défoncer. Il faut savoir que moi, je me suis laissé hype une seule fois dans ma vie. C'était sur BNB Chero. J'ai fait l'erreur, hein. C'est de ma faute totale, hein. C'est pas de la faute de la personne qui m'a hype. C'est de ma faute à moi. C'est moi, je me suis fait hype, j'ai pas fait attention. J'ai dit, ouais, vas-y, ça a l'air bien, tu m'as raconté ça, j'ai mis ma thune sans réfléchir. Et j'ai été con, il n'y avait pas d'équipe, enfin il n'y avait rien quoi. Mais c'est de ma faute. Et donc voilà, c'est il y a un moment donné, c'est quand vous investissez, faites-le de façon correcte. Arrêtez de rentrer dans tout et n'importe quoi, et vous allez voir, votre vie va mieux se passer. Quand je vois qu'en janvier, il y a quasiment tout le monde qui a perdu la thune, moi j'en ai gagné, je me dis que ça va. Ok, je rentre dans moins de projets, mais au moins quand je rentre, je suis à peu près sûr. Après, ça ne veut pas dire que c'est toujours la folie, mais ça évite. De se faire rug, de se faire pull, de se faire scammer. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous sera utile, que vous ferez plus attention et que vous ferez ça. Si vous avez d'autres techniques pour éviter les scams que j'ai pas cités dans la vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que c'est voilà, moi c'est ma méthode. Maintenant, je pense qu'elle peut être encore complétée, qu'on peut aller encore plus loin
Donc en tout cas, si vous avez des choses, voilà, que vous pensez que moi j'ai oublié ou qui vous manquent, ou vous faites et que j'ai pas cité, n'hésitez pas à partager. C'est fait pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!